TF1 vient de dévoiler un extrait de Demain nous appartient dans lequel Christelle suit Sylvain discrètement. En effet, elle soupçonne son mari d'entretenir une liaison avec une autre femme. Dans Demain nous appartient, Christelle, Ariane Séguillon, et Sylvain Moreno, Arnaud Henriet, forment l'un des couples les plus solides de cette. Ayant traversé de nombreuses épreuves depuis le début du feuilleton de TF1, les époux ont toujours fait preuve d'un soutien sans faille l'un envers l'autre. Christelle soupçonne Sylvain d'infidélité, sauf que ce mariage si parfait semble à présent en danger. Sur son site, la première chaîne vient de dévoiler un extrait inédit d'un futur épisode de la série. Dans cette séquence, Christelle en est certaine, son mari lui est infidèle. En plein doute, celle qui travaille à l'hôpital met dans la confidence Charlie, Clémence Lassala, et lui expose sa théorie, alors qu'elle suit discrètement son époux dans la rue. Camouflée avec un foulard sur la tête et de larges lunettes de soleil, Christelle se lance dans une filature pour en avoir le cœur net. À l'aide d'une oreillette, elle téléphone à Charlie et lui explique qu'elle trouve Sylvain beaucoup trop guiré dernièrement. Christelle fait même la liste des signes qui la confortent dans l'idée que Sylvain a une maîtresse. Elle a notamment remarqué que, la veille, l'ancien électricien affichait sans raison un sourire béat. Elle est donc persuadée qu'il se trouvait avec sa pouffe juste avant de rentrer à la maison. Sylvain a-t-il une liaison avec une autre femme? De plus, alors que Sylvain avait annoncé à sa chère et tendre avoir décroché un entretien d'embauche, celui-ci est resté très vague au sujet de ce rendez-vous lorsque Christelle lui a posé des questions. Consterné, Charlie essaie de rassurer la jeune femme. Elle estime que Sylvain est d'un naturel joyeux et qu'il n'entretiendrait jamais une liaison puisqu'il est fou amoureux de son extraordinaire femme. Toutefois, puisque Christelle est si sûre d'elle, la petite amie de François, Emmanuelle Moire, lui conseille de poser directement la question au principal intéressé. Mais Christelle n'écoute en rien Charlie et choisit plutôt de continuer à espionner le père de ses enfants. A-t-elle raison ou laisse-t-elle son imagination lui jouer un tour? À suivre dans Demain nous appartient.